Allez, bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Luc Dersin. Alors aujourd'hui, on est parti sur une vidéo iRacing et on va essayer, je vais essayer de tenter de vous montrer ce qu'est la nouvelle technologie des vibreurs 3D sur iRacing. Alors je pense qu'on est vraiment au balbutiement hein, de cette technique et de cette physique dans iRacing. Vous savez qu'il y a deux circuits qui ont cette technologie. On a Okayama et le circuit du Mugello. Je vais essayer de vous montrer l'impact que ça peut avoir sur la voiture et l'impact que l'on ressent aussi dans le volant, parce que je pense qu'ils ont encore moyen de mieux faire, parce qu'on ne ressent pas tous les vibreurs. Alors au niveau esthétique et au niveau visuel, ben vous le voyez ici à l'image, on était sur le work in progress du circuit de Mugello et vous voyez la texture de ces fameux vibreurs. Hein. C'est vraiment maintenant une texture en 3D et non plus une simple image plate des vibreurs. On voit vraiment cette évolution 3D et que le vibreur, c'est un peu une marche. Hein. Franchement, ça monte, hop, ça descend, ça monte, ça descend. Et est-ce qu'on le ressent en jeu? Pour ce faire, on va aller sûrement sur le plus petit circuit, le circuit d'Okayama, pour aller tester ces vibreurs. On va dans un premier temps partir avec comment la BMW M4 GT4 et ensuite j'essaierai de vous montrer les effets que ça peut avoir sur la voiture en slow motion pour vous montrer un petit peu les effets et ce que ça peut toucher au niveau de la physique de la voiture, si la voiture rebondit, si ça se voit, etc. Allez, on se dit à tout de suite à l'intérieur de la M4. Allez, ben nous voici hein, à l'intérieur de cette fameuse BMW M4 GT4 et on va voir tout simplement en deux ou trois tours voir où les vibreurs 3D fonctionnent et où ils ne fonctionnent pas, parce que oui, ils ne fonctionnent pas partout. Alors je roule exprès pour sur les vibreurs. On va laisser le premier tour comme ça. Regardez bien dans le premier tour. Les vibreurs, hein, ils sont vraiment en 3D par rapport à tous les autres vibreurs lisses qu'on connaissait sur les autres circuits. C'est flagrant à ce niveau-là, il n'y a aucun souci en termes graphiques. C'est bien réalisé. Mais il n'y a pas que le côté graphique que je recherche, il y a vraiment le côté, on va dire, physique en plus et sensation en plus. Parce qu'on voit bien qu'ils sont striés, on voit bien qu'ils sont en 3D. Allez, on est parti. J'ai l'impression qu'on le ressent plus sur les vibreurs extérieurs. Voilà, ici on le sent très bien, ça vibre dans le volant. On ressent qu'on est sur une texture qui n'est pas lisse, qui n'est pas plate et qui est vraiment reprogrammée en 3D. Ici, on va se mettre à l'intérieur. On ne sent pas quand on passe sur le vibreur. Ici, on va se mettre intérieur. Ici, on le ressent un petit peu, c'est très léger. Ici, extérieur, on le ressent très bien. Ici, intérieur, on sent rien. Et vous voyez, pourtant, les textures sont en 3D. Hein. Ici, intérieur, j'ai mes deux roues sur le vibreur, on sent rien. Ici aussi, vibreur en 3D. Ouais, là, on sent rien intérieur. Ici, on le ressent bien. Ici, extérieur aussi. Là aussi. Ici, intérieur, non. Et extérieur ici, ouais, là, on le ressent très bien. Voilà, ici, inté, non. C'est extrêmement bizarre, hein, de le sentir à certains endroits et pas à d'autres. Là, on l'a bien ressenti aussi.
je vais lâcher le volant ici. Ouais, ça tremble, hein. Vous avez vu que ça tremble, hein, dans le volant. Comparé à un ancien vibreur qui est tout lisse, où là, il n'y a pas de sensation. Donc voilà, on a fait deux tours, et ce que je trouve extrêmement bizarre dans cette sensation de vibreur, c'est que, regardez, si on tourne bien, on voit que les vibreurs sont en 3D, là-bas, il n'y a aucun souci, on voit que ça monte et ça descend, il y a une texture. Ce qui me paraît bizarre, c'est qu'on ne sent pas tous les vibreurs. Donc on est vraiment au début de cette technologie, ou bien de ce travail sur la physique des voitures. Je trouve ça extrêmement dommage parce qu'on a des vibreurs qui sont tous ici, tous pas lisses, ils sont vraiment tous en 3D malheureusement. À l'intérieur, on ne les sent pas, et quand on ressort à l'extérieur, là on les ressent très bien. Donc pour moi, il y a encore travail. Alors, est-ce que ça peut être un game changer? Oui, je le pense. Si on continue à évoluer cette technique et si on continue à évoluer la physique, c'est-à-dire que ça va jouer sur nos trajectoires, la voiture elle bouge, c'est très différent. Si voilà, il y a des trajectoires qui sont un peu extraterrestres, il faut le dire, quand on roule en sim racing, quand on roule sur iRacing, il y a parfois des vibreurs qu'on prend, qu'on ne devrait pas prendre autant. Il y a des vibreurs qu'on peut prendre et où on peut couper, où on ne sent absolument rien. Ça fait partie de l'une des faiblesses pour moi d'iRacing à ce niveau-là. Alors, intégrer des vibreurs 3D avec une sensation dans le volant, c'est très bien pensé. Maintenant, il faut que ce soit réellement complet et il faut que ce soit vraiment quelque chose qui apporte vraiment un élément différent à la simulation. Pour le moment, pour moi, elle n'apporte pas grand-chose à part un peu plus de sensation sur les vibreurs extérieurs. C'est quand même bizarre que sur certains vibreurs à l'intérieur, on ne ressent rien. D'autres, on ressent un petit peu. Et il y a des vibreurs où on ne ressent absolument rien malgré cet effet 3D. Début de la technologie, j'espère qu'ils vont intégrer ça au nouveau laser scan, au nouveau circuit. Il faut pas que ce soit sur deux ou trois circuits parce que sinon ça sert à rien, mais il faut que ça se fasse de façon uniforme sur l'ensemble des tracés avec des vibreurs corrects et des sensations sur tous les vibreurs s'ils sont en 3D ou bien s'ils sont complètement lisses. On va partir maintenant dans quelques slow motion que je vous ai préparé avec l'Audi R8 LMS GT3 et la BMW M4, l'Audi R8 et la BMW M4 GT4. Les vibreurs que je vais vous proposer en slow motion seront sur ce circuit d'Okayama et je vous dis à tout de suite dans ces vidéos slow motion. Allez, on est en slow motion et regardez bien le travail de la suspension de l'Audi. On est sur les vibreurs d'Okayama. Regardez suspension arrière et avant, vous voyez que les suspensions ballottent de haut vers le bas. Il n'y a pas de déformation du pneu. On va passer maintenant sur la BMW M4. Vous verrez, c'est moins flagrant sur cette BMW. Je vous ai mis deux slow motion pour celle-ci. Regardez, quand on va rentrer sur le vibreur, regardez le travail de la voiture aller de haut en bas. Maintenant, voilà, elle monte, elle redescend, elle remonte. Voilà, il y a vraiment ce travail sur le vibreur 3D. Ensuite, dès qu'on quitte cette zone du vibreur 3D, malheureusement, on ne le voit plus graphiquement, mais on continue à le sentir dans le volant. Et ensuite, je vous ai vraiment filmé un pneu complet, le pneu avant de la voiture. On va tout simplement revenir en arrière. Voilà, on est sur le pneu complet. Regardez, quand ce pneu touche le vibreur et la plus grosse partie où il y a cette grosse bordure, voyez ce que ça donne. Voilà, maintenant on va voir le pneu, voilà la suspension qui se soulève et qui redescend, qui va travailler un petit peu. Alors c'est pas encore totalement flagrant, mais en tout cas c'est présent dans les images. Je vous aurai montré ça et pour l'Audi et pour la BMW M4 GT4. Ensuite, ben, on va partir pour la conclusion. Alors pour la conclusion de cette vidéo concernant ces vibreurs 3D, est-ce que ça donne des sensations ou est-ce que c'est un flop? On est vraiment entre les deux. Je pense qu'on est vraiment au balbutiement de cette nouvelle physique arrivant sur iRacing. Ils testent, ils ont amené quelque chose, je suis sûr et certain qu'ils vont arriver avec plus de sensations dans le volant et avoir une sensation beaucoup plus réaliste et aussi graphiquement dans le jeu. Maintenant, il y a quelques petits trucs à avoir en plus. Je pense qu'au niveau sonore, on n'entend pas assez
Je pense le pneu sur le vibreur, hein, parfois on n'entend rien du tout quand on passe sur le vibreur, alors que quand on passe sur un vibreur 3D ou sur un vibreur où il y a vraiment cette espèce d'escalier, on l'entend, ça vibre, la voiture elle vibre, il y a un son particulier à ces passages sur le vibreur, moi qui ai roulé un petit peu avec la Fun Cup, qui suis passé sur des vibreurs de ce type-là, sur Mété, ben oui, quand on roule sur le vibreur, ça fait un bruit particulier, ça fait un son particulier. Malheureusement, dans iRacing, là, au niveau sonore, on l'entend, mais vraiment, vraiment très feutré. Si vous allez sur, si vous retournez en arrière avec la M4 GT4, on l'entend, mais très, très léger, alors qu'en réel, on l'entend vraiment, vraiment très fort. Hein, ce son, quand on passe sur le vibreur, ça casse un peu même les oreilles à ce niveau-là. Au niveau sensation, je trouve ça bien sur certains vibreurs, sur certains autres vibreurs, c'est totalement inexistant. On a roulé avec la BMW M4 et GT4, tous les vibreurs à l'intérieur, certains vibreurs à l'intérieur, on ressent rien. Pourtant, il y a le 3D Curves, tandis que certains virages, quand on ressort à l'extérieur et qu'on est vraiment sur la partie haute du vibreur, là, on le sent très très bien et on le voit en termes d'image dans les graphiques, même si pour la BM, c'est pas encore total, on le voit beaucoup mieux sur l'Audi R8 LMS GT3. Alors, en termes de sensation, j'aimerais le ressentir un peu plus et j'aimerais que ce soit vraiment un game changer en disant voilà, sur certains vibreurs, c'est terminé de couper comme des gros cochons et d'arrêter parfois les trajectoires qui sont un petit peu extraterrestres et qui ne font pas partie de la réalité. Est-ce que c'est un flop? Aussi un petit peu à moitié, un petit peu une déception parce qu'on ne le ressent pas sur tous les vibreurs, mais encore une fois, je pense que c'est en train d'évoluer. Ils viennent de l'intégrer seulement sur trois circuits ou deux circuits. Ils vont, j'espère, l'implémenter sur d'autres circuits parce qu'il ne faut pas s'arrêter à seulement quelques circuits. Hein. Quand il y aura des nouveaux laser scans, je pense à Spa-Francorchamps, hein, qu'ils ont promis qu'ils laser scanneraient à nouveau dans cette année 2024. Je pense à tous les nouveaux circuits, Misano, qui vont s'y arriver. S'il y a vraiment des circuits avec des vibreurs vraiment étalonnés et en 3D, il faut vraiment qu'on les sente réellement dans le jeu et qu'ils apportent quelque chose. Si c'est pour nous mettre 2-3 vibrations sur tous les vibreurs extérieurs, je vois pas un petit peu ce que ça pourrait changer. Il faut vraiment que ce soit intégré dans le jeu, que ça permette de rouler beaucoup plus propre, hein, parce que je pense que sur iRacing, on dévore les vibreurs d'une façon incroyable, alors qu'on ne le devrait pas hein, en course si on regarde, à part les GT3, les autres voitures. Elle monte très très peu sur les vibreurs ou en tout cas il manage la voiture sur l'ensemble de la course, surtout sur une course de 24 heures. Tandis que ici, ben oui, les vibreurs, on les mange, on y va, on n'a presque pas de sensation parce qu'ils sont lisses. Voilà, ça peut amener vraiment quelque chose de plus, mais il faut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans les sensations et dans le ressenti. Je pense que c'est une première étape, donc vraiment à suivre et voir comment ils vont l'implémenter sur les circuits, soit qui sont déjà laser scan et soit ceux qui vont arriver. Dites-moi ce que vous pensez et de ce que vous ressentez dans vos volants sur ces vibreurs 3D, dites-le-moi dans les commentaires. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la, laissez-y un pouce bleu. C'est très subtil, très compliqué de vous montrer ce genre de choses et de vous donner vraiment l'analyse et le feeling parce que c'est vraiment tout neuf. Allez, ciao, ciao les amis!